Bonjour les gens. Alors on est à Sfax, mais on reste pas à Sfax. Non. Parce qu'on a une idée en tête, on va encore prendre un bateau. Ouais, on adore les bateaux. Donc voilà, on est au port de Sfax et puis on va embarquer, là on est en train d'attendre. Et pendant qu'on attend, on va leur mettre le générique. Ouais. C'est parti. Donc on attend au port de Sfax. Pourquoi on est venu à Sfax? Parce qu'on voulait faire ces îles. Mais on a été contacté aussi par Émilie, qui est maîtresse d'école. Dans l'école internationale de Sfax. Voilà. Et donc primaire. On en a profité pour encore avancer avec le projet Éducarté. Donc on a rencontré trois classes. On peut vous mettre quelques images. Ouais, on n'a pas beaucoup filmé. C'est vrai qu'on avait, comme on avait fait une grosse vidéo, je vais mettre le lien ici, là. On avait fait une grosse vidéo la dernière fois, là, on s'est contenté juste de vivre le moment. Et c'était vraiment chouette. Donc là, on vous met les images maintenant et on revient dans 10 secondes. Bienvenue parce qu'on fait partie d'un projet de dessin d'enfants qui voyagent tout autour du monde. Donc là, c'est un exemple. Il a dessiné tout ce qu'il voulait. Et en fait, le principe, c'est de dessiner votre vie. Ce que vous aimez, votre maison, votre famille, votre sport, la musique, vos rêves. Et derrière, c'est ça qui est génial, vous allez choisir un pays, n'importe où dans le monde. Et puis d'autres voyageurs prendront votre dessin pour l'amener à un autre enfant dans ce pays-là. Donc vous pouvez choisir le pays que vous voulez. C'est pas forcément parce que nous, on est français qu'on va le ramener en France. Vous pouvez choisir l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Argentine, le Chili, le Groenland, ce que vous voulez. Et quelqu'un, un jour, prendra votre dessin et l'amènera à un enfant dans ce pays-là. Donc là, le dessin, vous le faites pas pour vous, pas pour le maître, pas pour vos parents, pour un autre enfant quelque part dans le monde. Et c'est vous qui allez choisir dans quel pays va partir votre dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une feuille comme celle-là, et vous allez pouvoir dessiner dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous voulez, le dessin que vous voulez. Ah, on est de nouveau là. Donc là maintenant on attend pour acheter les billets. Sachez que quand vous arrivez, je vais vous montrer vite fait, quand vous arrivez au port, il y a une entrée pour les voitures. Faut pas la prendre si vous êtes en camping-car, ça passe pas. Faut venir directement se mettre devant le portail. Et puis bon, bah là, la garde nationale nous a encore demandé nos passeports et la bienvenue. Et la bienvenue. Quoi, le nom des îles, les îles Kerkena. Ouais. On va aux îles Kerkena. Il y a un départ à peu près toutes les 2 heures au port. Et là, il faut que tu ailles acheter les billets parce que ça y est, le guichet ouvre. Allez, t'achètes ton billet, hop. Voilà. Yiii. On est quatre. Quatre. Deux enfants. Et deux enfants. Deux adultes, deux enfants. Deux adultes. Et deux enfants. Combien, Bastien? 15. Parfait. Chocolat, bye bye. Bon voyage. Merci. C'est celui-là, hein? Ok, c'est Alors, il est où? Tout droit. Au milieu. Okay, au centre. Comme ça, on manœuvre pas. Tu veux que je te ramène un café? Volontiers. Je sais pas s'il y a, je vais aller voir. Mais il faut que tu me donnes de l'argent. Je ne sais pas, donne-moi de l'argent. Je veux des sous. Voilà. On va pouvoir prendre un café avec papa. Thank you.
on n'est plus en Tunisie. Non. Non, on a changé. On est à Kerkena. Alors, pourquoi on vous dit qu'on n'est plus en Tunisie? Bah, parce qu'ici, ils se considèrent pas comme Tunisiens, mais comme Kerkéniens. Ah, ça, c'est les habitants des îles, c'est comme les Corses chez nous. C'est ça. Ils se considèrent d'abord comme identitaires de l'île. De l'île. Et après, du pays. Et on comprend, parce que c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en Tunisie. C'est une très très belle île. Et pour y arriver, bah, on a encore pris le bateau. Ouais, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Et puis on a rejoint aussi des copains, une famille de voyageurs français. Les Globe Blogueurs, on vous met leur lien. Ouais, ils sont voyageurs et blogueurs. Voilà, donc ils font pas mal de voyages et on vous met le lien de leur site juste en dessous dans la description. Ils font des articles de blog, chose qu'on fait pas, mais ils font ça tellement bien. Ils ont de très belles photos, ils racontent de très belles histoires aussi. Donc on vous invite à aller voir leur site. Mais en attendant, on va résumer ce qui s'est passé hier, là, maintenant, tout de suite. Tout de suite. Above the sheets, no one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay, I want you to say, that it's getting late, I want you to stay, I want you to stay. We were young, ah. Ah non, je vais pas à l'eau, hein. Mon fils, il est à l'eau. Il est courageux, hein. Non, je suis pas courageuse. Parce que c'est froid. Pourquoi je suis pas courageuse? Je sais pas. Ça dépend des fois. Donc voilà, on a passé 2 jours avec eux dans cette petite maison et on n'a pas beaucoup filmé. Liam, c'est bien l'eau. On filme pas beaucoup quand on est avec des gens. Ouais. C'est ça, c'est compliqué pour nous d'arriver à s'extraire d'une situation où on est avec des gens pour filmer, mais on essaie des fois. Mais bref, tout ceci étant pour dire que maintenant on part en road trip et on allait prendre la route et qu'est-ce qui se passe? On rencontre des gens. On rencontre des gens. On n'a rien filmé. On n'a rien filmé parce qu'on allait manger en fait dans un des meilleurs restaurants de l'île, chez Najette. Donc on a mangé un oïcha aux crevettes, aux fruits de mer pour moi, toi des spaghettis aux fruits de mer, Liam un oïcha à la crevette. C'était excellent. Alors on n'a pas fait d'autres restaurants, donc on peut pas dire que c'est le meilleur. Mais franchement, c'est un des meilleurs restaurants qu'on ait fait depuis le début de la Tunisie. C'est ça. Vraiment, c'était vraiment délicieux, l'accueil incroyable. Donc si vous venez à Kerkena, allez manger chez Najette. De toute façon, tous les Kerkéniens et Kerkéniennes, ils vont vous dire « Tu cherches un restaurant, tu vas chez Najette. » Voilà. Donc venez chez Najette. C'est dans la petite ville de... Je sais pas, c'est tout au bout de l'île. Voilà. Tout au bout. Une fois que vous avez pris le bateau, vous allez à la dernière ville, là où il y a les 3 autres îles que vous voyez en face, là. Et c'est là, et vous demandez, et vous trouverez. Et donc maintenant qu'on est repu, qu'on a fait une rencontre, et je pense qu'on va vous reparler de cette rencontre parce qu'on doit aller les voir à Djerba, et c'est des gens incroyables, mais vraiment, enfin, des amours. C'est des gens tellement lumineux, Ignace et Estelle, et c'est sûr, on a tellement envie, enfin, incroyable. Et Alice. Et Alice aussi. Mais on reverra pas parce qu'elle, elle est plus au nord. Une camping-cariste. Qui avait fait 9 mois en camping-car. Femme solo, 9 mois camping-car en Tunisie, elle nous a appris des trucs. Évidemment, on a toujours à apprendre des autres, mais alors une force de caractère incroyable. Bref, c'était trop bien de manger avec eux, mais ils ont dû reprendre le bateau. Et nous, là, on part en mode road trip et on va vous filmer tout ça parce que cette île est très, 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 très belle. Donc, on va faire un mini road trip de 50 km sur l'île. Et on repart demain. Voilà. Allez. Vous savez tout, en route. En route, c'est par là. Thank you.
petit point carte, parce que c'est peut-être pas très clair ce qu'on vous a expliqué. Donc, nous étions la dernière fois à Madia. On était à Madia, donc sur la lagune. Ensuite, on s'est dirigé à Sfax pour rejoindre Émilie à son école. Et donc, on a pris le bac. Et nous, on est là à El Ataya. Donc, on est ici. Et donc, il n'y a qu'une route. Donc, à l'aller, on est allé très très vite puisqu'on voulait rejoindre les copains. Et là, on va vraiment prendre le temps, vu qu'on est arrivé quasiment au bout, de revenir jusqu'à Lille et on en part. Donc, on va revenir tout là. Il n'y a qu'une route pour reprendre le bateau demain matin. Voilà, demain matin. On va retourner chez Émilie à Sfax parce que, enfin, ça, c'est les rencontres en voyage. Hein. Elle nous a laissé les clés de sa maison parce qu'elle n'était pas là pour qu'on puisse aller profiter de sa maison. On a tellement de chance de rencontrer des gens extraordinaires tous les jours. Voilà. Donc, ne voyagez pas que pour voyager, voyagez pour rencontrer des gens. Voilà, et voilà. Et je peux filmer ta maman aussi ? Oui, avec plaisir. Mais attends, ça vient. Des stars de l'internet. D'accord. Qui nous ont offert le café. Elle se remet bien. Ah oui, jolie. Pour la télévision. Non. C'est Islam qui nous a offert le café avec sa maman, sa cousine et. Et le petit chocolat. Et c'est ta tante. Et vous avez. Attends. C'est un nouveau nom, c'est Caroline. Caroline. Et là. Nous sommes ici à Le Kraten Kirkinan. Viens visiter nous. Et vous avez des sourires magnifiques toutes les quatre. Oui. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder. Yeah.
stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still like we have frozen time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay, I want you to say that it's getting late, I want you to stay, I want you to stay. Tu vois la mer là? Bah non, on la verra jamais, on bah. Au moins. Même à travers les lunettes comme The Rock. Faudra en faire plus des plans comme ça. Ouais, faudra en faire plus. J'ai l'œil mystérieux à travers la lunette. Je crois. Pas de bois, commentaire, like, cloche, comme ça. Tu fais le langage des signes. Ouais. Et en attendant, on vous dit à très vite. Des bisous. T'es parti?